Bonjour les amis, alors aujourd'hui je voudrais vous partager l'histoire d'un jeune, étudiant qui est un peu paumé dans ses études, qui ne sait pas trop bien où il va ni ce qu'il veut faire de sa vie. Un de ses copains de la fac lui dit ben écoute, viens avec nous, on part à Vézelay avec quelques routiers, on participe au pèlerinage national des routiers Scouts d'Europe à Vézelay. Alors sans trop savoir où il va, il prend ses affaires et puis il suit ses amis. Et c'est comme ça qu'il découvre la route, qu'il découvre ce pèlerinage à Vézelay. Et il pèlerine avec le groupe dans lequel il a rejoint ses amis. Et vous savez, donc sur le pèlerinage, il y a des temps où on s'arrête, où on prend le temps de réfléchir à partir de textes. Et juste avant d'arriver à Vézelay, il a un texte qui lui est proposé. C'est un extrait de l'évangile selon saint Matthieu. Et cette parole-là qui résonne vraiment dans son cœur, qui lui dit: ce que vous aurez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous aurez fait. Et là, tout s'éclaire. Et sa vie, il va la consacrer à l'enseignement, à l'accompagnement des jeunes. Et puis, il va même créer une école et accompagner des jeunes à grandir, à se développer et surtout à s'épanouir. Ben voilà, cette histoire, c'est la mienne. Et si moi, je l'ai vécu il y a maintenant 25 ans, d'autres l'ont vécu depuis le début en fait de ce pèlerinage à Vézelay, et d'autres vont le vivre là lors de ce pèlerinage. Et c'est ce que nous allons essayer de capter avec mon équipe, cette jeunesse qui marche, qui chemine et qui reçoit les paroles dont elle a besoin pour avancer, pour grandir et surtout pour se fixer un cap. Alors découvrez ce projet, une autre jeunesse, et suivez-nous dans l'aventure.